tante, c'est tio tonton, et ben on va se retrouver pour une nouvelle mission sur Bomber Crew. Alors ce coup-ci, on va essayer de pas retirer le pilote de l'avion pour le crasher, on va essayer de pas bombarder les cibles alliées, on va essayer de faire une vraie mission et de la réussir. Ça va changer un petit peu, hein, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, alors nous voilà dans la salle de briefing. Donc on a cette fameuse mission. Durée moyenne, risque moyen, opération chariot, mission critique. Ah bah c'est la même mission que j'ai ratée juste avant. Donc on va essayer. Allez, début de la mission, on est parti. Alors ce coup-ci, on fait tout pour ne pas se faire avoir. Alors je sais que je peux pas monter en altitude. Parce que malheureusement, en altitude, eh ben je verrai rien. Donc je décolle. Et donc je vais rejoindre le fameux bateau. Hop là. Voilà. Jusque-là, tout va bien. On va rentrer les trains. Ouf. Impeccable. Ce que je vais faire, je vais mettre mon. Ah! Panne, panne, oulala, une panne. Vite. Allez, Copeng, va réparer. Toi, tu vas passer ici directement. Allez, copain, tu répares, mais tu te dépêches, hein. Nouveau parcours. Uf. Impeccable. Bon, pour l'instant on a de la marge, on est encore chez nous. Voilà. Retourne t'asseoir à ta place, copain. Voilà. Donc là je me mets sur lui. Voilà. Alors ça, c'est quand même des mouvements à la con, hein, je trouve. Enfin bon, on verra bien. D'ailleurs, j'ai toujours pas quitté l'Angleterre et je suis toujours en galère pour m'orienter. Mais enfin bon, on verra bien. Bon, je vais quand même mettre le bombardier. Je vais le garder dans la tourelle parce que... Ah ben, c'est le moment ou jamais de tester. Yes, voilà, je voulais juste vérifier et c'est bon. Bah voilà, je vais rester comme ça sera mieux. Tac. Voilà. Voilà, donc je voulais vérifier, donc c'est impeccable. Je peux garder le bombardier en position de bombardement et le réparateur en position de mitraillage. Donc là, on arrive au-dessus de Chesil Beach. Prochain point de passage. Hop. Impeccable. Ah. Les nuages ont l'air de disparaître. Je monte très bien, mais je suis pas sûr de mon coup. Hein. À mon avis, je vais rejoindre le bateau à peu près là, donc. On va rester comme ça pour le moment. Ouais, c'est ça. Voilà la fameuse connerie de la dernière mission. Hein. Donc là, on ne bombarde pas, c'est un ami. Voilà. Hein. Pas de connerie ce coup-ci. Ah, chasseur ennemi sur le radar. Hop. Impeccable. Vous avez vu, je l'ai pas bombardé ce coup-ci, mon copain bateau. Hein. Allez, ils sont plus que deux. Allez, on y croit, on y croit. Ouais, plus qu'un. Ah, cible.
Hop. Bombardier. Je sélectionne une bombe. Ouvrir les portes. Et je me tiens prêt. Attention. On y croit. Super, donc là c'est par là. Je suis prêt. Il faut absolument que je recharge mes armes aussi. D'accord, alors est-ce que j'ai une base? Oui, là-bas. Allez vite, va par là copain. Donc ça c'est fait, ensuite je zoome. Il faut vite que j'aille faire réparer mon armement, donc c'est lui qui a besoin de munitions. Merde. Lui va faire ça aussi. Alors lui, c'est un ennemi, il est tout seul. J'en vois pas d'autres pour le moment. Ça, hop. Alors pourquoi est-ce que je me gourre? Alors déjà il faut que j'aille par là. Il faut que j'aille là, voilà. Là c'est bon. Les tourelles, où elles sont? Vite copain. Je vais regarder le... lui là. Hop. Voilà, ça c'est bon. J'ai tout pété, donc ça c'est déjà pas mal. Pour l'instant on tient le choc hein. Ça c'est mon bateau, je crois, qui est en train de se faire défoncer. J'espère qu'il va pas mourir. Je crois que je me suis gouré de direction et que j'ai été trop dérangé par les bateaux. Enfin, par les avions. Ah, voilà. C'est ça qu'il faut que je pète. Ah oui, là il a bien morflé quand même, là, mon bateau. Vite, le bombardier. Les portes sont toujours ouvertes. Ouais, j'ai complètement zappé de fermer les portes, c'est pas grave. Une bombe, on est prêt à larguer. Dès que j'ai largué, je vais essayer de penser à fermer les portes. Oh là là, est-ce que ça. Il ramasse là, hein. Je suis pas sûr de réussir à le sauver. On va bien voir. Allez, je suis pro largage. Allez, vite, 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 on y croit. Allez, on y croit. Oh, 4 avions. Ça pue, hein. Essayer de péter la dernière cible, hein, ça sera impeccable. Voilà. Donc ça c'est bon, je suis en train de rentrer chez moi. Je vais essayer de fermer, les portes. Rien d'autre à voir, hein, c'est bon. Hop hop hop, donc là on est bon pour le moment. On va faire recharger les mecs, hein. Donc lui il a besoin de surcharger. Voilà. Lui il a besoin de se recharger.
l'instant, lui ça va. Défendez le bateau, merde, j'ai perdu. Oh putain, me dis pas que j'ai perdu la mission, quoi, ce serait quand même con. Je crois que j'ai perdu la mission en fait. Je vais virer le réparateur. Il va aller se foutre. Pourquoi pas là, on s'en fout. C'est qui? C'est celui-là. Non, il va se mettre à sa place, que je vois un petit peu l'état de ça. Lui, du coup, il va se mettre là. Voilà, on est pas mal. Alors, Ah, putain, c'est con, je me suis encore fait avoir sur cette mission, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? On n'a plus beaucoup de carburant, ok. J'ai pas de fuite a priori. Bon, ce que je comprends, c'est juste que j'ai plus beaucoup d'essence, mais en aucun cas un problème de fuite. Hein. Bon, ah, il y a une photo à prendre. Hop, voilà. Alors le bombardier, il va reprendre sa position de bombardier. Je sais pas si, ouais, si j'ai pas besoin d'ouvrir les portes pour prendre la photo. On se tient prêt. Voilà, ça c'est bon. On va se diriger par là et on va se défendre contre les avions. Là. Alors, lui, il va réparer ça. Tac, lui il va aller se mettre là. On va voir si on arrive à aller au bout, mais ça craint. Là-bas. Bon les gars, ils sont relativement en bonne santé, à part le fait que j'ai raté un petit peu mon truc. Merde, lui il a besoin de munitions. Vite, hop, munitions. Ouais, c'est pareil, il a besoin de munitions. Bon lui il en a, c'est bon. Je vais l'envoyer chercher ses munitions tant qu'il peut. Et lui, il a réparé, il va aller se soigner. C'est le pilote hein, qui est fort blessé là, il va falloir que je soigne le pilote. Ah merde. Là il va réparer ça. Non non, qu'est-ce que tu fais toi? Sors pas. Alors, je vais mettre lui. Non lui, il va se mettre là. Il va essayer d'activer les... Voilà, ça. Ça a l'air d'être bon, je pense. C'est bon, c'est éteint? Oui, c'est éteint. Allez, tiens, tu vas aller te mettre là, à ton poste. Lui, il répare. Dès que c'est réparé, il va aller se rasseoir. Voilà, il va se mettre là. Il faut que j'aille par là-bas. Il en est où lui? Le pilote, putain, il faudrait que je... Bah là j'ai pu me faire attaquer, là c'est bon, il va tenir Ferguson. On a encore un peu d'essence, je pense qu'on doit pouvoir gérer. Hop là. Là il faut que je sorte les trains tout de suite. Hop, le pilote, il est là. Les trains sortir. Bon. Bon, bah c'est encore un échec parce que malheureusement j'ai raté mon. je me suis un peu perdu avec l'attaque des chasseurs. Mais ça s'est pas trop mal passé quand même, hein, je trouve.
qu'on est dans le rouge. Lui, il dit que on va se poser là. Ouais, c'est bon, il se pose là. On a les pneus de sortie, impeccable. Enfin, les trains. Bon. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que je pense pas que je la gagne, cette XP. Carburant restant 2 minutes. Impeccable. Fastoche, 2 minutes. Que demande le peuple? On en a 100 fois trop. Bon, bah, y a de l'amélioration. J'ai pas détruit mon propre bateau. Donc, je pense que je suis devenu bon. Voilà. Non, je me suis un peu perdu là, hein, mais. On va y arriver, on va y arriver. Voyons voir un petit peu les dégâts. Résultat de la mission. Alors, échec de la mission. Revenu à réparer. Ah, photo de la reconnaissance, j'ai quand même eu 500 livres et 125 de reco. C'est déjà ça. Continuer. Et eux, est-ce qu'ils prennent un niveau? Ouais. Alors lui, il a se pencher, radio de reconnaissance, concentration. Ok. Continuer. Donc on va regarder de suite. Alors se pencher, économiser le carburant en utilisant un mélange plus léger. Ah, ça c'est pas mal. Radio de reconnaissance, utiliser la radio pour localiser l'emplacement de danger en approche. Seront dévoilés sur la carte du navigateur. Ok. Et concentration accrue en visant apporte une meilleure précision pendant un certain temps. Bon bah ça c'est une bonne chose, donc entraînement, voyons voir. Je crois pas que j'ai quelque chose à faire, hein. Je crois que c'est d'ores et déjà acquis. Alors lui il a quoi? Ah, compétence principale, lanceur de bombes, compétence secondaire, il peut être mitrailleur, premier soin ou mécanicien. Bah lui je vais le mettre mitrailleur, hein, parce que... Hop, il y est souvent. Voilà, donc lui il a pris une compétence secondaire, ok, les autres c'est pas le cas. Donc lui il a concentration, ça veut dire que... Voilà, il va pouvoir être meilleur au tir, lui pareil. Lui il a radio de reconnaissance. Donc ça permettra de voir les ennemis avant. Lui il a que dalle. Et lui il a se pencher. Donc ça a priori c'est intéressant. On essaiera. Et lui, il a l'atterrissage d'urgence, son parachute et la plongée. Bon bah voilà. Donc ce qu'on va faire, on va s'arrêter là et puis on verra bien. Pour tenter de nouveau cette foutue mission, parce que j'ai l'impression qu'elle y est, tant qu'on ne l'a pas réussi, ça a l'air d'être une mission impérative. Ah non, elle y est plus. Elle y est plus. Donc du coup, comme d'habitude, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, diffusez, parlez-en autour de vous, à vos proches, vos amis, etc. Même les gens que vous connaissez pas dans la rue, vous les arrêtez, vous me les envoyez. Je vous rappelle qu'il y a un concours jusqu'au 30, donc du 24 au 30. Et un octobre, il se terminera le 31 à minuit, donc le 31 dans la journée je trouve qui a gagné le concours. Donc ça sera un simple tirage au sort, hein. Vous avez, il y a une question mais la réponse vous mettez ce que vous voulez, je tire au sort donc via le logiciel le gagnant et je ferai un vlog probablement sur Farming Simulator pour justement annoncer le gagnant et ensuite je verrai comment ça se passe pour réussir à lui envoyer la clé. Puisque il faudra forcément un moment qu'ils prennent contact avec moi, donc peut-être que j'aurai directement les infos. C'est la première fois que je fais le concours, donc je suis comme vous. C'est-à-dire je sais pas ce que ça va donner, on va voir. Dans tous les cas, le vainqueur, si j'ai un nom, le gars aura sa clé. Voilà, il faudra juste qu'il me contacte. Donc surtout, surveillez bien, le 31, il y aura le vlog qui annonce le gagnant du concours. Et puis pour le reste, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Thank you.